exploitations agricoles de la région de Sainte-Marie, dans le Nord Atlantique, il ne reste plus aujourd'hui qu'une distillerie en activité. Et puis également tout un réseau de kilomètres de rails aujourd'hui enfouis, sur lesquels circulaient autrefois les petits trains à vapeur destinés au transport de la canne. La révolution industrielle. 1860, la première machine à vapeur arrive à la Martinique. L'utilisation de la bagasse comme combustible va entraîner une forte industrialisation de la production cannière. Sont alors créées des usines centrales, elles absorbent complètement les petites habitations. Il faudra de plus en plus de canne, et pour aller la chercher de plus en plus loin, les bœufs et cabourets ne suffisent plus. Des réseaux de voies ferrées sont alors construits en étoile autour des usines centrales et c'est l'apparition des petits trains vapeur. Le petit train de Sainte-Marie roule pour la première fois en 1874. À l'époque, les locomotives sont alimentées au charbon de bois. Plus tard viendra le diesel. Celle-ci est une corpée-louvette fabriquée en France. D'autres, comme la Davenport, sont construites aux États-Unis. Elles ont chacune un nom bien à elles, celui du constructeur, de la commune ou bien d'un patronyme local. Certains se rappellent encore de la Catalina ou de la Pétévoyou. Le train à vapeur est apparu véritablement, les premiers trains vers 1870 à peu près. Et de façon assez bizarre, ils ont disparu pratiquement en 1970, c'est-à-dire ils ont duré un siècle, en fait. Donc ces premiers trains-là, ils sont arrivés, c'est vrai, pour alimenter les usines centrales en canne et pour transporter aussi le sucre. Et donc il y a eu pratiquement une vingtaine de réseaux de voies ferrées qui correspondaient d'ailleurs à une vingtaine d'usines centrales. Et de là, on pouvait transporter la canne et produire effectivement en grande quantité. Donc finalement, les trains n'ont jamais servi à transporter des gens à la Martinique, mais uniquement pour la canne et uniquement pour le transport de marchandises, en fait. Roland, un enfant du pays. Comme tous ceux de sa génération à Sainte-Marie, il a eu le temps de connaître les dernières années du petit train vapeur. Roland se rappelle chaque mètre de l'ancien parcours ferroviaire. Son aide est précieuse pour tenter de reconstituer l'ancienne voie ferrée, aujourd'hui enfouie en grande partie sous la terre. Un réseau de plus de 30 km de rails autour de l'usine centrale et s'étalant jusqu'à la commune voisine de Trinité. Les voies ferrées construites constituaient un réseau propre à chaque usine, puisque l'écartement des voies était différent pour chaque réseau. Il était alors impossible d'emprunter le circuit ferroviaire de l'usine voisine. Le train parcourait toute la plantation. Il s'agissait de récupérer alors les différents tas de canne disposés par les coupeurs tout au long du parcours, puis de rapporter le chargement jusqu'à l'usine. La machine était capable de tracter 20 wagons contenant chacun 10 tonnes de canne. Aujourd'hui, ce sont les camions et les tracteurs qui poursuivent, en période de récolte, cet incessant balai. Ouais. Où est-ce qu'on est capable de là? Ah, exactement, ouais. C'est ça, on est capable de là.
Le monde qui a parlé de l'eau, du rail qui a passé par celui-ci pour te monter par les fonds vers ville. On croit que fonds vers ville, mais c'est pas en les bas bisodin. Tenir ça fait chouval aussi, le nom de le ouais, tu es monté en l'air, tu es déposé des trucs. Ouais. Là, tu as une petite boutique pire où il y a quelqu'un qui vend, qui vend 4 à peine. Ouais. Alors, toutes les noms de la police, ils ont et tu as pris un petit fait. Mais là, tu as pris un petit fait, c'est là-bas, tu es. C'est là-bas, là, tu es chaud. Mais quand tu as, parce que, il y a des gens qui ont fait, les gens qui ont fait, ils ont fait un peu. Et comment je vois la boutique d'habitude là, tout le temps, ouais, on parle de ce qu'on fait, on va y partir, ils ont fait un peu de nous. Roland, apparemment vous avez beaucoup de souvenirs, hein? Ou qu'a changé tant vous connaissez rien. Ah ma chère, si moi dis, oh, c'était belle la vie, hein. Et belle la vie pour qui parce que le monde qui prend un par côté de la Sadiek, Cosmi, la Riche, Nsa Zéro, et bien je prends un sac de banneau, je vais mettre la tire moi dedans, et puis les machines qui passent, moi ça qui a monté côté 6h30, ça m'a fait. Je suis mette sac de boga là, boga. Là, il passe, je suis sac là dans le train, beaucoup dans wagon, parce que le train, monsieur a pas le moteur dedans. On va serrer pour pas voir. Là, il passe, je suis voyé dedans pour battre derrière. Et c'est ça, les parents nous parlent, parce que les parents nous ont dit, nous, train, peut dérailler, puis ça périt les autres. Là, on nous a pris un là, c'est pour nous monter juste par fond vers ville. Mais, là, nous, comment nous faisons vers ville? Mais tu as battu à boy carrément, tu as roulé. Obligé. Mais faut que tu à l'époque, faut que tu couilles derrière. C'était. Mais il dit, moi, tu as monté mon. Tu as voué ça dans les rails de chimie différents. Alors là, tu as voué ça. Mais on baisse mon tombe à dire. Est-ce que ça ça n'est pas lisse, les sacs à post-porté en ligne. Alors pour belle, tu as grippé, pour ne pas dérailler, tu as mis ça blanc en ligne. Les gens qui ont voué ça blanc en ligne comme ça, la machine est agrippée, parce que. Entre sable là et puis assis là, tu as fait un espèce de mais sec, tac, tu as goûté, tu as monté. Le petit train vapeur disparut en 1970, soit juste un siècle après sa mise en service. Tout un pan de notre histoire économique et sociale, une histoire qu'un groupe de passionnés a voulu faire ressurgir en déterrant les rails de la canne. À mi-chemin du futur parcours, la construction d'un des ponts bêlés sur lequel passera le train. Bêlé du nom de l'ingénieur américain qui créa ce type de structure métallique. C'est en se référant au tracé des anciennes cartes que ce pont est reconstitué. Les vieilles fondations ont été conservées et consolidées de façon à ce que le nouvel ouvrage puisse résister en cas de crue importante. Qui est allégé par rapport aux autres, il n'y aura pas de patelage en bois mais dessus pour la circulation des automobiles. Là c'est un pont qui est destiné à faire passer un train, donc les rails seront soudés ultérieurement dessus. Donc c'est un pont allégé. Le SMA fait des chantiers dits écoles. Et donc ça c'est un des chantiers écoles qui a été donné au SMA dans le cadre de la formation professionnelle des jeunes antillais. Donc dans le chantier global qui comprend la création d'une voie ferrée du musée Saint-James jusqu'au musée de la Banane. Sur le tracé, il y a trois ponts bêlés à construire comme celui-ci. Ouais, c'est-à-dire après Saint-James, là où quitté, au cas de traverser pont Cirise, à un moment, on va descendre directement à Gilles. Alors, dites-moi, quel sera le circuit de ce petit train? En fait, le circuit, c'est tout simplement de relier le musée du Rhum au musée de la Banane. Donc, c'est un circuit à peu près de 10 km 800 à 3 km qui sera fait grosso modo en 20 minutes, 25 minutes par un petit train à vapeur. Et donc, l'idée même, c'est de relier la canne à la banane et donc de pouvoir faire visiter
au tourisme, mais aussi aux écoles, aux associations du troisième âge, aux comités d'établissement, un petit peu comment se faisait le transport de la canne à cette époque-là, quoi. Donc c'est un petit peu un voyage à travers le temps que nous allons essayer de restituer au travers des champs de canne et des champs de bananes. Là, vieux pierre, on y dépombe les capacités. Dépombe les capacités. Ouais. Donc, il y a un devant musée, mm-hmm. et puis il y a un caïché. Exactement. Très bien. Mais c'est longtemps. Content longtemps, hein. Exactement. Sans les mêmes raïchis médifères que nous virer fait train là. Nous pas inventer rien, finalement. Chimeta, tes capacités là. Les vestiges de l'ancienne voie ferrée résistent à l'usure du temps, parfois enfouis et sauvegardés sous une épaisse végétation. Ces restes de ponts ou de rails se souviennent encore des rires des enfants trop imprudents. Ils sont les témoins d'une époque proche mais révolue qui nous sera bientôt possible de redécouvrir. Voilà les rails de la canne, une façon plus qu'originale de replonger dans le passé. Si vous voulez mieux découvrir cette région de Sainte-Marie, je vous propose de retrouver tout de suite notre bloc-notes. L'Ossatour, l'Office samaritain du tourisme, au 69 13 83. Et pour en savoir plus sur les rails de la canne, vous contactez l'association au 50 21 69. C'est dans 15 jours que l'équipe de Zone de Lille vous donne rendez-vous pour de nouvelles découvertes. À très bientôt sur Télé Martinique.